Aujourd'hui, je vous partage les pensées positives à écouter. Ouais, j'avais envie de faire ça un peu différent. Là. Moi, j'aime ça innover. Alors, je me suis dit, au lieu de simplement vous partager une pensée positive à lire, j'allais vous la dire. Alors, à travers le petit livre « Sans le degré supplémentaire » de S.L. Parker, je découvre vraiment des pensées super géniales que j'aime et qui me motivent. Alors, je me suis dit que j'allais vous les partager. Alors, voilà. La ligne qui départage l'échec de la réussite est si fine que nous nous trouvons souvent sur la ligne sans même le savoir. Combien d'hommes ont baissé les bras lorsqu'il aurait suffi d'un peu plus d'effort, d'un peu plus de patience pour connaître la réussite? Un peu plus d'effort et ce qui semblait être un échec assuré est susceptible de se changer en réussite glorieuse. Et ça nous vient de Elbert Hubbard, auteur et homme d'affaires américain. Alors, je dois vous dire, je peux pas rajouter grand-chose de plus que wow, j'adore cette phrase, je vais me l'imprimer et la coller directement en haut de mon bureau et je vais moi-même aller faire ces petits efforts-là supplémentaires pour faire de Motivop un grand succès. Alors, à bientôt pour une autre pensée à écouter. Bye bye!